En ce vendredi, pour parler encore de briques chinoises, voilà, il y a une marque que j'adore. C'est la marque Funwall. Je vais tester la petite maison dans la neige récemment avec le kit de lumière. C'était assez joli. Et en plus, de très bonne qualité, je vous ai dit. Si on compare à Lego, ben, Lego aurait 10 sur 10 et je mettrais du 9 sur 10 à cette marque de briques chinoises. Et ils m'ont proposé un nouveau set. Comme je vous expliquais, Noël approche. Voilà, donc ils se sont dit, bah tiens, écoutez, lui il parle de mes Lego, il aime bien, enfin de mes briques. Il aime bien les briques chinoises. On va y envoyer un nouveau set. Et celui-là, je le trouve encore plus joli, regardez. C'est un saloon de Far West. Voilà, un saloon avec combien de pièces? 2026 pièces. Alors là, vous voyez, c'est 16 ans et plus. Récemment, je vous ai montré les briques techniques. Ils avaient marqué 6 ans et plus. Je vous ai dit, non, il faut au moins 10-12 ans. Là, voilà. 16 ans, des briques classiques, un style Lego. Avec un système d'éclairage dedans. Je suis en train de l'assembler. Au moment où je fais cette partie de la vidéo. Voilà, il y a 344 pages au manuel. Mais ça va être assez joli. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'éclairage avec. Et j'aime bien, moi, le style Far West. Le chalet est très joli. Mais les murs étaient un petit peu compliqués. C'était des rondins qu'on mettait à l'horizontale. Là, c'est plus classique. Voilà, je peux vous montrer une preview. Parce que je vais finir d'assembler avant de finir le montage de cette vidéo. Mais vous voyez, j'ai fait le rez-de-chaussée. Donc là, on aura les portes. Les murs, je suis en train de mettre l'éclairage. Et dedans, ben, on a déjà la taverne. Avec la table de poker. Puis après, il y aura un escalier et un étage. Mais franchement, j'avais testé des briques chinoises. Hein. Des Bella, des Lélé, des Lepin, des Xingbao. J'avoue que celles-ci de briques sont de très bonne qualité. Les barres ne se tordent pas. Tout s'emboîte bien pour l'instant. Sur le kit de la maison enneigée, j'ai pas eu de soucis. Et comme je vous ai déjà expliqué, les briques sont en domaine public, sauf les personnages Lego. Donc eux, ils font des personnages avec un autre système d'assemblage. Voilà, c'est moins joli que des vrais Lego pour les persos, mais il n'y a pas de problème de droit. Donc écoutez, je vais finir le set vite fait, ouais. Et le mettre sur mon plan de travail, voilà, donc vous allez voir la vidéo, vous, tout sera fini. Et on va regarder ce beau petit saloon là qui a l'air sympathique, avec, vous voyez, l'étage qui est fini, l'éclairage dedans, et puis apparemment il y a plein de petits détails. Donc allez, comme d'habitude, je vous dis à de suite les amis. Et voilà le set, regardez. Le set est terminé. Voilà, on a trois petites figurines. On a le saloon. Là, vous avez un côté. L'entrée est sur le côté intermédiaire. On a un petit décor en plus qu'on peut mettre avec un petit arbre désertique. Voilà, le petit tonneau, vous le mettez où vous voulez. Si vous avez des petits chevaux Lego, des petites vaches, ben vous pouvez les rajouter. Hein. C'est compatible, je vous l'ai dit. Là, on a un petit abreuvoir avec un peu d'eau à l'intérieur. Des petits cactus. Sur le côté, regardez. On a le grand préau, il y a le fouet, il y a la roue. La construction est super facile, je trouve. Voilà, il y a juste cette barre qui est un petit peu tordue d'origine. C'est flexible, c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé. Dessus les briques, on met des stickers classiques. Voilà, donc regardez, c'est le saloon. Sur le côté ici, on a une petite pièce secrète. Alors, il y a le lierre qui camoufle le câble électrique qui va en haut, parce que le boîtier de pile est sur le toit. Et si vous actionnez ce petit truc, boum, ça s'ouvre et le shérif va sortir. Voilà, c'est le bureau du shérif, vous le verrez mieux après. Il y a sa petite chaise, il y a son arme, sa petite table. Alors bon, la chaise s'est renversée d'ailleurs, tiens, je vais la remettre droite. Voilà, mais vous allez voir, ce qui est bien dans ce set surtout, c'est quand vous éclairez l'allumage intérieur. Voilà, à l'arrière, le grand secret, vous avez une grande porte. Et quand vous l'ouvrez, vous avez quoi? Vous avez l'intérieur du saloon. Voilà, c'est super détaillé. Alors là, c'est éteint, c'est pas terrible, donc vous allez voir quand je vais l'allumer. La lumière, le seul défaut, c'est que le bloc de pile est dessus, et le bouton pour le on-off est dessous. Mais quand vous le mettez dessus, vous voyez, le bouton sera masqué. C'est le seul petit défaut, donc moi, je le pose comme ça. Là, j'ai allumé, et regardez... Voilà, regardez dedans, vous avez le lustre, l'escalier, il y a la petite table avec la chope, et puis la bouteille de bière, ou de vin, la table de poker. Le lustre, j'adore. Hein. L'éclairage au plafond, il y a un bar au fond, il y a un petit piano sur le côté. Vous allez mieux le voir là, voilà. Un piano, l'escalier qui monte. En haut, il y a une petite commode, je vous amène la caméra, vous allez voir. Alors désolé, ça bouge un petit peu. Voilà, en haut, regardez, on a la petite commode. Avec le petit bloc pour écrire, la pendule,
le bureau, enfin le panneau d'affichage avec des affiches. En bas, le bar qui est éclairé, vous voyez. La table de poker avec les jetons, les billets. L'escalier, le piano. Sur le côté, il y a un fût, il y a encore une petite table avec un pistolet. Voilà, quelques affiches en haut. Regardez les rideaux aussi faits en briques style Lego. Voilà, bon, après vous avez les fils de l'éclairage, mais ça vous le voyez pas en temps normal. Voilà, regardez le lustre. Et encore, ça rend mieux en vrai. Hein. Et j'adore le bar derrière. Donc là, voilà, pour l'enfermer, c'est mieux de laisser ouvert. Sur le côté, regardez, vous avez l'éclairage qu'on voit à travers. Vous avez l'éclairage sous le préau. Là où il y a le saloon, vous avez deux petits spots. Voilà, la porte peut s'ouvrir si vous voulez. Vous voyez aussi en bas pour l'ouverture l'éclairage à l'intérieur du saloon. Et là, c'est pareil, vous avez les vitres qui sont éclairées par derrière. Et en bas, vous avez deux lanternes. Et la pièce du shérif, là, vous verrez mieux. Il y a une petite lampe. Voilà. Petite lumière au plafond. Vous avez la chaise, la petite table, vous avez un chapeau de cow-boy qui est sur le porte-manteau. Voilà, il y a le fusil au fond. Et là, vous voyez l'éclairage pour le préau. Alors, désolé, ça bouge un petit peu. Voilà, et là, l'éclairage devant le mot saloon. Voilà, vous voyez, vous pouvez voir à travers aussi. Vous avez l'éclairage, voilà. Les petites figurines aussi qui sont quand même pas mal jolies. Hein. Et là, alors, c'est de nuit, alors ça rend mieux la caméra. Voilà, pas un super rendu de lumière. Et voilà, comme c'est nous, vous avez l'éclairage du balcon qui est jaune. L'éclairage plutôt blanc pâle qui va en dessous. Et à l'arrière, vous allez voir, on va ouvrir. Regardez quand on ouvre. Tadam! Voilà, on a tout l'intérieur, le lustre, la taverne, la table pour boire, le piano. Voilà, si vous voulez faire un petit décor Far West, je pense que ça peut être sympa ça. Et sur le côté, alors là, vous allez peut-être mieux voir le bureau du shérif. Voilà, vous voyez, ça rend mieux là. Et le bureau du shérif est éclairé avec voilà, le petit truc qui ouvre la porte. C'est un beau set, moi je trouve. Donc là, regardez, c'est la vidéo d'origine de Funwall. Vous voyez un peu mieux. Voilà, ils ont une caméra de meilleure qualité que moi. Vous voyez comment ça rend l'intérieur détaillé, l'extérieur. Voilà, moi je suis fan de ce set. Voilà, j'aime bien le Far West. Le château enneigé était joli, mais ce set est quand même beaucoup plus joli, je trouve. Après, il manque plus qu'à ce qu'ils vendent quelques roulottes et d'autres, pourquoi pas d'autres maisons pour compléter le set Far West. En plus, vous voyez, là, c'est bien fait, on dissimule le câble électrique avec le lierre. Voilà, il n'y a que le local à pile, je trouve un peu gros. Mais après, vous pouvez bricoler un truc pour le mettre sous le décor, par exemple, le brancher sur un hub USB. Voilà, il y a trois piles à l'intérieur. Et bon, vous mettez sur le toit, vous avez vu sur le toit aussi, vous avez un petit réservoir. Voilà, ça va vous l'encliquoter. Et quand vous jouez, vous avez juste à tourner ça. Boum, ça ouvre la porte. Voilà, une petite pièce secrète. Mais surtout, moi, ce que j'adore dans ce modèle, bah, c'est ça, voilà, c'est le saloon, regardez. Les tibias, alors regardez la pièce qui manque, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est la table dessous. Donc j'ai mis une pièce grise, c'est tout ce que j'avais sous la main. Normalement, c'est une pièce marron, mais je n'avais pas. Et dessus, vous avez les billets, les jetons. Et puis, tout tient bien, c'est ça qui est bien, quoi. C'est vraiment très qualitatif comme brique. Voilà, c'est comme du vrai Lego, honnêtement, je mettrais un 9 sur 10. C'est assez stable, bon le toit attention parce que le toit était assez grand quand même. Puis là vous voyez on a des petits trucs qui camouflent le fil aussi. Voilà, je trouve que c'est de la grande classe moi. Donc voilà le mode d'emploi, il y a 2026 pièces. Le mode d'emploi est assez clair. Faut juste faire attention aux nuances de marron, mais bon voilà c'est. Je vous dis, il manquait juste une petite pièce, moi de 2x4, pour la table de poker. Mais encore une fois, ouais, bah Funwall, je suis fan. Après, vous pouvez acheter vos personnages Lego, et puis là, comme je vous ai expliqué, il n'y a que les rois qui sont chiants à emboîter. Mais là, ils ont fait ça pour pas avoir de problème avec Lego, puisque les personnages Lego sont encore sous brevet. Alors en haut, le saloon, c'est pas c'est imprimé, c'est pas des stickers. Et tout le reste, je vous l'ai dit, c'est des stickers classiques. Donc vous aurez rien dans la description vers Amazon, voilà, et vers leur boutique. Profitez, il y a des promotions pour le Black Friday. Donc allez, moi je vous laisse là, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !